Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Jeux avec moi, jeux pour enfants. J'ai quelque chose de plutôt cool aujourd'hui, donc c'est un article de Farce et Attrape. Donc c'est une boîte de chewing-gum, un peu conne, mais en fait c'est plutôt donc un petit piège, un article de Farce et Attrape. Donc c'est pour les enfants à partir de 4 ans, mais aussi donc voilà, pour adultes aussi, ça peut être rigolo, donc on peut déballer tout ça. Donc vous avez vu, ça ressemble beaucoup donc à un emballage de chewing-gum. Tout est un peu pareil, hein, ça ressemble beaucoup. Et ensuite, bon ben, le but c'est donc de tirer une des languettes comme ça, donc comme un chewing-gum. Et donc c'est là que la farce s'opère. Ok, alors on va tirer. Ah bah oui, bah en fait quand on veut tirer l'effet, donc on a un petit coup de jus. C'est très surprenant. Et assez effrayant sur le coup, quand on s'y attend pas, ça surprend beaucoup. Donc assez rigolo. Ok, marqué, donc bon, voilà, choc pour here, chewing-gum. Voilà, donc pour notre boîte de chewing-gum. Oui, donc plutôt rigolo, plutôt sympa. Bon, j'espère que bon, ça vous a plu. Ah ou oui. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas ce type d'article de farce attrape vous donne des petites idées. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Donc vous avez vu, donc on peut réaliser de super farces avec ça. Et bon, pouvoir proposer donc un chewing-gum à quelqu'un, mais un chewing-gum piégé. Ah oui? Ok. En tout cas, n'hésitez surtout pas à laisser plein de commentaires pour me dire ce que vous pensez donc, de cet article de Farce Attrape. Est-ce que ce serait quelque chose que vous pourriez utiliser ou pas du tout? Donc, n'hésitez pas donc, à partager vos expériences pour ceux qui ont déjà ce genre d'article de Farce Attrape. Partagez vos expériences, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, donc n'hésitez surtout pas, ça serait super cool. Et n'hésitez pas donc à aimer la vidéo si ça vous a plu. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, à tous les abonnés, et on se dit donc à une prochaine, salut!